chez vous Elsa Fayer, Maman, Virginie de Clausade, Annie Lemoine, Pierre Bénichou. Bonjour. Et Jérémy Michalak. Bonsoir. Quel succès vous avez, Virginie! Je ne veux pas rendre jalouses les deux autres femmes de cette équipe, Annie et Elsa, mais alors vous avez entendu ces cris d'un seul coup quand on a annoncé votre nom. Mais était-ce pour moi ou c'est parce qu'on a bien rodé le public pour qu'il hurle et qu'il applaudisse bien fort? Non, je pense que c'était naturel. Ah. Regarde, ces voix de mâle. Ben soyez pas jalouse, Annie, vous avez connu ça à vos débuts, vous mais aussi. Mais non, parce que moi, je n'étais pas dans la même section que Mademoiselle. Moi, j'étais catégorie mort et blessé dans l'information, et donc on n'applaudissait pas. Mort et blessé dans l'information. Eh oui, j'étais journaliste, donc il n'y avait jamais d'applaudissements. Ah, c'est vrai que j'avais été journaliste, voilà. J'avais oublié, Pierre, vous serez d'accord pour qu'on attaque tout de suite avec l'actualité? D'accord. Tu disais non, tu vas pas. Alors passons à la photo du jour, et cette photo, c'est celle de Ségolène Royal en voyage titude en Chine, tout de blanc vêtu. Vous l'avez vu forcément ce week-end, on pouvait pas y échapper. Heureusement que ce n'est pas François Hollande qui portait cette doudoune blanche molletonnée. Les Chinois auraient cru qu'on leur envoyait le bibendum Michelin. Ségolène Royal a donc distillé quelques proverbes chinois tout au long de son voyage, qui va sur la grande muraille conquérir la bravitude, la fameuse bravitude. Un coup d'œil vaut mieux parfois que des centaines de commentaires, a-t-elle dit aussi, ou même ce proverbe qu'elle n'a pas dit mais qu'elle aurait pu prononcer: ceux qui n'ont pas de bol n'auront pas de riz. Mais quand on s'est moqué de ces proverbes, parce qu'on s'est un peu moqué d'elle, Ségolène Royal aurait répondu, mais ça c'est en privé, c'est pas écrit dans les journaux: je préfère citer Confucius que Scone Fabius. Bon bah évidemment. Alors, Pierre, vous avez suivi, évidemment, ce voyage. Ah ben oui, bien sûr. Je pensais qu'après le barbarisme qu'elle avait fait sur bravitude, elle aurait avoué sa culpitude. Non, mais pas du tout, pas du tout. Moi, je la trouve... Enfin, de toute façon, elle est imparable. Oui. Les Français ne veulent plus d'hommes. Ils veulent des femmes. C'est vrai. Non, la féminitude l'emporte, alors, Annie Lemoine. Écoutez, il y a deux hypothèses. Ou les neurones étaient glacés, ou il y avait l'ombre paralysante de François Mitterrand. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'affaire... C'est Jack Lang qui est formidable. Jack Lang, vous l'avez entendu, il s'est contorsionné pour donner l'explication et il parle d'inventivité créative. Je sais plus c'est le mot qu'il emploie. Il dit: j'ai réfléchi toute une journée, et il parle, oui c'est ça, inventivité sémantique. Non, le plus drôle, c'est François Hollande. On l'a interrogé sur la bravitude de son épouse. Il a dit: c'est des chinoiseries. Je vous jure que c'est vrai. Il est très drôle. Moi, j'avais vu cette photo, la doudoune, vous vous moquez d'elle, mais elle est au top de la mode. Parce ah que oui. Ah, ben, cette doudoune, elle est à la mode dans les cités. Ah oui, et regardez, elle n'a pas peur du karcher, elle est habillée comme une vraie Kaira, là. et en plus, elle fait le signe des Crips, là, représente le Deux Sèvres. Et comme ça. Ce qui est certain. Oui, allez-y, Jérémy. Non, mais polémique sur la mode et sur les vêtements de Ségolène. Souvenez-vous, on a des images de sa tenue lors de ses vœux où elle portait la fausse fourrure. Maintenant, il y a cette doudoune blanche qui, apparemment, le blanc est la couleur du deuil en exact. Chine. Heureusement que vous n'avez pas vu la tenue qu'elle avait le soir de Noël. Oh non. C'est pas moi qui l'ai fait, c'était sur Internet. Ce qui est certain, si on en juge par cette photo publiée par François, regardez, c'est incroyable, dans François ce matin, c'est que quand on visite la Grande Muraille de Chine, il y a intérêt à prendre ses précautions avant. Vous avez vu où sont les toilettes? D'autant que c'est le seul endroit où on peut te voir depuis la Lune en train de pisser le long du mur. Le voyage de Ségolène Royal a en tout cas énervé Nicolas Sarkozy au point qu'en déplacement en Corse, regardez, le ministre de l'Intérieur a tenu absolument à ce qu'on lui trouve une muraille. J'invente pas la photo, c'était dans le JDD hier, on peut le voir sur cette photo, auprès d'un mur, mais il a oublié de citer ce proverbe corse: si tu veux construire un mur en Corse, fais-le faire par des Corses si tu veux pas qu'il saute. Pendant ce temps, François Hollande, qui n'a pas accompagné Ségolène Royal en Chine, était lui de corvée en Corrèze, où il a dû, en tant que député-maire de Tulle, assister aux vœux du président Chirac. François Hollande était en fait resté en Corrèze parce qu'il commençait ce week-end son stage de collecte des pièces jaunes auprès de Bernadette. Et si on en croit la photo publiée hier par Le Parisien dimanche, le président Chirac est manifestement toujours en forme. Bah, oui. Et si on en juge même par le sourire de la jeune femme qu'il sert de près, on peut même dire que le président n'est pas dur que de la feuille.
De son côté, le Premier ministre Dominique de Villepin a assuré hier qu'il ne voterait pas Nicolas Sarkozy pour l'investiture de sa candidature UMP, entretenant ainsi le doute sur sa propre candidature à lui, Villepin, ou sur celle du président. Ce que trame le camp Chirac, titrait ce matin le journal Le Parisien. Sarko-Chirac, un duel sans merci pour le journal François. Reste que, d'après un sondage que vous avez peut-être lu hier dans le journal du dimanche, sondage IFOP-JDD, 81% des Français ne souhaitent pas que le président se représente. Et beaucoup ont vu ça comme un très mauvais sondage pour le président Chirac. On n'a parlé que de ça ce week-end. Mais moi, je dis non. En fait, si on regarde le résultat dans l'autre sens, ça fait quand même regarder les chiffres. 19% des Français qui souhaitent que le président se représente. Mieux que ça, sympathisants de droite, 29% des Français sympathisants de droite souhaitent que le président Chirac se représente. Et ben voilà, M. Sarkozy, ce sondage, c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. 80%, c'est à un chiffre près les mêmes qui avaient voté pour lui en 2002. Hein. Exactement. Alors, si vous additionnez les sympathisants de droite et ceux qui ont voté pour lui, ça fait 100% des voix. Jérémy ? Par rapport à tout ce clan Chirac, si on veut essayer d'analyser, je pense, le problème un peu plus en profondeur, moi, je pense que le clan fait preuve d'une grande courageitude. Non, mais même si les Sarkozy sont aux aguets, en embuscation, vous savez, prêts à leur sauter dessus, prêts à contre-attaquer, nul ne sait quelle sera l'issue de ce coalitionnisme chiraquien. Mais pour conclure, je laisserai la parole au meilleur interloculiste de ce plateau, Pierre Ménichou. On peut inventer tous les mots qu'on veut maintenant. Une autre photo, celle de Doc Gynéco, qui a passé la nuit au poste après avoir, en état d'ébriété, percuté l'arrière d'un taxi qu'il suivait. Taxi à bord duquel se trouvait sa fiancée ou sa compagne, Christine Angot. Doc Gynéco a été embarqué par la police et on imagine donc que c'est Christine Angot, l'écrivain, qui a rempli le constat, qui sera publié chez Flammarion à la rentrée littéraire prochaine. Et au moins, on peut dire que si le taxi avait été conduit par Samina Nasseri, il n'aurait pas freiné au feu rouge. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'avec les dernières frasques de Johnny Hallyday, de Pascal Sevran et de Doc Gynéco maintenant, eh bien, ce ne sont pas eux qui soutiennent Nicolas Sarkozy, c'est plutôt lui qui les soutient. Hein. Les phrases de Gynéco sont toujours assez drôles. Il a dit, mais vous aviez beaucoup bu du nom, je vais bu du vieux rhum chez des amis écrivains. Pas du vieux rhum, du rhum vieux. Du rhum vieux, pardon. Mais je n'interviens pas dans une affaire qui n'est pas jugée. Hein. On passe aux photos des villages de toile installés par l'association Les Enfants de Don Quichotte avec qui Jean-Louis Borloo, le ministre de la Cohésion sociale, est en train de négocier pour tenter de trouver des solutions de relogement. En fait, Jean-Louis Borloo était vraiment le ministre le plus indiqué pour parler au SDF puisque sa compagne, Béatrice Schoenberg, est SDF elle aussi. Elle présente le 20h samedi, dimanche et fête. Une autre photo, c'est tragique, c'est celle de la maison d'arrêt de Rouen où on a appris ce week-end avec effroi qu'un détenu avait prélevé et mangé des morceaux de chair de son co-détenu. Quand on pense que tout le monde s'est jeté sur les épisodes de Prison Break alors qu'il suffisait de regarder France 3 Normandie Rouen. Hein. Annie. Je sais que vous avez fait beaucoup de progrès en anglais, mais c'est Prison, Prison et pas Prison, Prison Break. Oui, mais je dis très bien France 3 Normandie Rouen. Vous avez remarqué. Jérémy. Mais normalement, quand ils sont incarcérés, on leur enlève leurs lacets et leurs ceintures. Voilà, visiblement, on est les 5 cordons bleus. Quand tu vois des trucs comme ça, t'as plus du tout envie d'aller en prison. Et on termine par cette photo et ce titre de France Soir à propos de la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Gallardo réveille Paris, sauf que c'est pas très malin dans France Soir. Ils mettent un très bon titre, mais ils foutent la photo de Paoletta au-dessus, alors qu'ils auraient dû mettre évidemment la photo de Gallardo. Peu importe, l'essentiel c'est qu'on puisse dire aujourd'hui, et il faut en profiter, que le Paris Saint-Germain est encore invaincu cette année. Mardi dernier, un gendarme décédait, vous le savez sûrement, des suites de ses blessures après avoir été fauché, hélas, par un conducteur qui roulait sans permis de conduire. La veille, un autre homme, un jeune homme de 18 ans, a été responsable, lui, d'un accident de la route mortel. Il roulait, lui aussi, sans permis de conduire. Selon les derniers chiffres, le nombre de délinquants de la route s'élèverait à 700 000 personnes et serait en constante augmentation depuis 2003, date des débuts de la fameuse tolérance zéro au volant prônée par le gouvernement. Pour parler ensemble de ce sujet, ceux qui roulent sans permis et pourquoi, on va accueillir un avocat spécialiste du code de la route et secrétaire
adjoint de l'Association des avocats de l'automobile. Autant dire qu'il prend la défense des automobilistes et du tout automobile. Accueillons tout de suite Sébastien Dufour. Finalement, c'est vrai que vous défendez les automobilistes à qui on enlève quelques points sur leur permis, mais cette tolérance zéro prônée par le gouvernement, elle vous a apporté beaucoup d'affaires. Elle nous profite, effectivement, elle nous profite parce que le nombre d'affaires a considérablement augmenté et c'est vrai que les gens ne savent plus comment faire pour lutter contre la tolérance zéro. Alors vous donnez trois raisons pour lesquelles on n'a pas le droit évidemment, mais pour lesquelles c'est un constat, certains roulent sans permis, on peut peut-être les redonner à nos téléspectateurs. Alors première raison. Vous avez le feignant, celui qui n'a jamais passé son permis de conduire parce que soit ça l'embête, soit il n'a pas les moyens, soit c'est trop dur. Vous avez celui qui a eu son permis de conduire invalidé parce que la justice s'est mêlée de ses affaires et soit il a perdu son permis de conduire, soit il a été suspendu. Ça va être le cas du chauffard. Et puis vous avez les conducteurs de bonne foi, ce que je qualifie de bonne foi, parce que vous avez ceux qui ont eu un permis de conduire invalidé parce que l'administration leur a annulé compte tenu du défaut de points. Voilà. Donc vous avez trois catégories de personnes. Mais ils ne le savent pas. La plupart des gens ne le savent pas. Alors vous avez 50% de gens qui savent que leur permis a été annulé, puis vous avez 50% de gens qui ne le savent pas. Moi, c'est je quand pensais même qu'on était au courant quand même quand on non, avait non, non, le non, permis. Non, mais les gens le pensent. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis avec qui j'ai discuté un week-end et il est sensibilisé à la question parce que c'est une connaissance et il me disait je comprends pas comment les gens font pour rouler sans permis. Il me rappelle le mardi, son permis était invalidé depuis 15 mois. C'est-à-dire que depuis 15 mois, ce monsieur roulait, travaillait sans son permis de conduire. Et il l'a pris lors d'un contrôle de police. On peut rappeler combien il y a de points sur le permis de conduire ? Vous en avez 12. 12 points ? 12 points. Il en faut jusqu'à combien, on va dire, minimum pour pouvoir conduire encore ? Ah bah avec un point, vous conduisez. Avec un point, on peut conduire. Oui, moi, je pensais qu'il fallait au moins 6 points. Non, avec un point, vous pouvez conduire. 13. Ouais, ouais. Un seul point sur mon permis, je peux conduire. Bien sûr. Ouais, ouais. Et, et pour être tranquille, il vaut mieux en avoir 6. Bon, c'est la sécurité. Après, si j'ai un point sur mon permis et que je roule bien pendant combien de temps ? C'est 3 ans. Pendant 3 ans, je récupère tous mes points. Vous récupérez vos 12 points, effectivement. C'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a oublié. C'est très compliqué. Totalement. Pierre. Oui, moi, il y a une chose qui me fascine parce que quand on est avocat de l'automobile et qu'on voit des drames comme comme celui de ce gendarme qui a été. Si le type vient vous voir et vous dit soyez mon avocat, vous allez dire quoi ? Parce que si l'assassin, parce que t'as l'assassin de la route, vient vous voir. Vous allez dire quoi ? Vous allez dire qu'il faut tous les défendre ? C'est toujours le stéréotype de l'avocat qu'on pose, la question qu'on pose aux avocats. Je vais défendre des exhibitionnistes, pardon, c'est pas pour ça que je me trimballe tout nu sous ma robe. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais bien évidemment défendre cette personne, elle a besoin d'être défendue comme vous. Oui. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a commis le pire des crimes, mais bon, pour ma part, je trouve ce qu'il a fait parfaitement. Non, mais je sais bien faut cela. Qu'il soit défendu, je sais bien que les avocats doivent défendre tout le monde. Vous tirez votre gloire et votre réussite non, on tire pas du fait que vous arrivez à dire que l'État va trop loin et vous avez 38, alors, comment vous dites ? Il y a 38 raisons, 38 vices de procédure qui permettent de faire annuler toutes les condamnations. À condition qu'on ait de l'argent, évidemment. Les 38 vices de procédure, ça n'est pas moi qui le dis, c'est un autre confrère d'automobile, ça je tiens à le préciser. Ensuite, si je récupère un permis de conduire invalidé par l'administration, si je le récupère, c'est tout simplement parce que le permis de conduire a été invalidé de façon inappropriée, c'est-à-dire que son permis, c'est une erreur s'il a été annulé. Il ne faut pas confondre le permis à points et les décisions de justice. Si ce monsieur passe en correctionnel ou en assise, il n'est pas prêt de reprendre le volant. Maintenant, quelqu'un qui a eu 3-4 infractions pour des téléphones au volant ou des ceintures, ce n'est pas un criminel de la route. Il faut pas tout confondre. Moi, j'ai vu des dossiers où l'administration fait de grosses erreurs. Par exemple, j'ai un dossier où 2 infractions de 1977 ont été prises en compte dans le dossier du client. 1977, le permis à points n'existait pas. J'ai aussi un client qui était détenu à la santé pour une autre raison, son permis à points a été affecté de plusieurs infractions alors qu'il était détenu. Donc il ne faut pas tout confondre. Et en ce moment, avec la multiplication de la répression et le système mis en place par Sarkozy, vous avez de plus en plus d'usurpation d'identité. Alors vous avez des personnes dont le permis de conduire est grévé de certains points alors qu'ils ne sont pas l'auteur des infractions. Elsa Fayer. Oui, moi j'ai un truc que j'ai appris en lisant le dossier, c'est l'espèce de trafic de cession de points entre copains, membres d'une même famille, etc. Alors ça, j'ignorais complètement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut céder des points à quelqu'un qui en a besoin ? En réalité, ce n'est pas vraiment un trafic, c'est plutôt du système D. C'est-à-dire que votre grand-mère est à l'hôpital ou à la maison de retraite, elle ne conduit plus et lorsque vous recevez un avis de contravention par radar automatique, vous mettez son numéro de permis de conduire dessus et vous envoyez tel quel. Donc ça, c'est le système D. Mais ça peut être plus pernicieux que ça, c'est que si je connais le numéro du permis de conduire de Laurent Ruquier, je reçois une contravention de radar automatique, je remplis le numéro de Laurent Ruquier et ensuite, c'est lui qui se débrouille. Ouais, c'est vous qui remplissez. Si la carte grise, par exemple, est à mon nom, je vais recevoir la contravention, je mettrai le numéro. Et c'est pas vérifié, ça ? Non, et puis ça va être à vous après de payer.
C'est-à-dire que vous allez devoir payer la consignation pour prouver que vous n'êtes pas l'auteur d'un plagiat. Mais ça, c'est facile à faire, après, de pallier. C'est très facile à faire. Et d'ailleurs, je fais très attention moi-même de ne pas communiquer mon numéro de permis à tort et à travers. Parce que je me dis que si un jour je tombe sur quelqu'un de ma grand-mère, je ne sais pas si elle est à point, mais elle est bien cuite. Hein. Oh. Annie Le Moine. Alors moi, je considère aussi que la voiture peut se transformer. Pardon, Annie. Je considère aussi que la voiture peut se transformer en arme. Et on se dit qu'il y a des différences de tarification. Ça me gêne un petit peu. Celui qui a écrasé un gendarme, et c'est tout à fait impardonnable, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. C'est plus qu'impardonnable, d'ailleurs, je m'exprime mal. C'est condamnable, évidemment. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il y avait Sarkozy et Michel Aumarie à l'enterrement, et qui demande une sanction exemplaire. Il l'aura, certainement. Et celui qui a tué Valby, parce qu'il avait bu, le jeune de 18 ans, lui, il a été condamné à 2 ans de prison. Donc, il y a quelquefois un manque d'homogénéisation, selon moi. Ça, c'est pour les cas les plus graves. Le problème, effectivement, c'est ce que vous avez soulevé en fonction des juridictions. Vous n'avez pas du tout les mêmes condamnations pour les mêmes faits. Et ça, c'est un réel problème. Moi, j'ai souvenir un jour d'avoir plaidé pour quelqu'un qui avait volé un scooter. Il avait roulé 12 mois avec le scooter volé. Il s'en est tiré. Alors, course-poursuite, bien sûr, avec les forces de l'ordre, carton, passage entre les piétons, il roulait sur les trottoirs. Il s'en est tiré avec 1 000 euros d'amende. C'est à Paris. Vous prenez le même cyclomotoriste avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Avec les mêmes faits, il va prendre 6 mois de suspension du permis de conduire, 1 mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende. Vous voyez, il y a un complet décalage entre maintenant les délits pénaux de droit commun, le vol, les agressions, ce genre de choses, et le code de la route, où là, vraiment, si vous défendez un automobiliste qui a commis une infraction au code de la route, vous défendez un cas indéfendable. Quoi. Oui, il faut bien mettre une limite. L'impression, le truc de Coluche, boire ou conduire, il faut conduire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, quand c'est interdit, c'est interdit. Il faut respecter tout le temps, quoi. Il n'y a qu'à pas téléphoner ni être à 53. Oui, mais il faut voir, et je vous emmènerai dans mon cabinet, il faut voir toutes les déviances qui sont à côté. C'est une composition. Refuse. Là, on en revient. Bon, bref. Il faut, faut voir tous les abus générés par l'administration. C'est vraiment incroyable. L'administration prend de l'argent alors qu'elle n'a pas à le faire. Par exemple, je vous prends un cas très concret. Le système de Sarkozy mis en place est un système où vous devez payer d'abord une amende pour pouvoir contester l'infraction. C'est ce qu'on appelle la consignation. Bon. Cette consignation n'est valable que pour certains types d'infractions au code de la route. Or, je constate pour toutes les trésors publics de France que le trésor public applique cette consignation quelle que soit l'infraction commise. C'est-à-dire que quelle que soit l'infraction que vous avez commise importable, par exemple, on va vous demander de consigner 180 ou 375 euros pour pouvoir contester. Et ça, c'est parfaitement légal. Vous irez dans son cabinet, il vous retrouvera votre point G, on n'en parlera plus. Non mais je l'ai retrouvé mon point G, il va bien. Juste pour savoir, du coup, c'est quelle infraction où on doit payer d'abord? Ce sont tous les excès de vitesse pour lesquels vous n'avez pas été intercepté. Voilà. D'accord. À chaque fois que vous avez été intercepté... Non, mais vous réglerez ça entre vous. Elle le rend fou. Hein. Jérémy. J'ai trouvé une petite publicité sur Internet qui va vous faire marrer. Pour ceux qui ont encore des points sur leur permis de conduire, pour ceux qui ont encore envie d'acheter une voiture, ça, je pense que ça va radicalement vous dissuader. Même si la voiture vous plaît beaucoup, méfiez-vous. Là, ce garçon, il se disait, le sport, le jogging, c'est sympa, cette voiture me plaît beaucoup, je vais m'en approcher. C'est vrai qu'elle a l'air bien, dis donc. C'est n'importe quoi. Et hop là, ça sera pour le prochain. Jolie publicité. On va remercier Sébastien Dufour. Bonne chance avec vos clients. Merci. Et ne leur redonnez pas trop de points quand même. Merci à vous. Merci beaucoup. Selon une enquête de l'Institut CSA publiée la semaine dernière dans Le Parisien, 1 Français sur 2 considère que le problème du réchauffement climatique est l'enjeu de ce siècle pour l'humanité. Il apparaît en effet qu'en quelques années, les mentalités ont considérablement évolué. Aujourd'hui, les consommateurs adoptent une attitude beaucoup plus responsable en matière d'écologie. Les récentes catastrophes naturelles ne sont assurément pas innocentes dans cette prise de conscience généralisée. Alors pour parler de ce sujet, le réchauffement de la planète et l'inquiétude des Français, accueillons un expert en climatologie, Monsieur Jean Jouzel. Bonjour Laurent. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Je me souviens quand vous avez fait venir il y a plus de 2 ans et demi maintenant, à propos du film Le jour d'après, The Day After, en version originale, jour d'après qui nous montrait New York sous la neige, et je vous avais demandé, mais alors est-ce que c'est possible? Et plus ça va, plus on est en train de se dire, finalement, ce film, peut-être tiré d'un livre d'ailleurs, ce film d'anticipation, on s'en approche peut-être de plus en plus. Oui, on s'en approche. Enfin, pas du...
pas du jour d'après, parce que ce refroidissement, ce n'est pas ce vers quoi on va quand même. C'est ce que vous avez dit, le problème des Français, le problème auquel on fait face, auquel on fait tous face, c'est effectivement le réchauffement climatique. Et c'est plus, si vous faites référence à un film, à celui d'Al Gore, que je crois qu'en fait, le film d'Al Gore reflète bien le point de vue de la communauté scientifique. Et c'est vrai que je dirais que l'interview du Parisien m'a un peu réconforté, en ce sens que le message que nous essayons de faire passer dans le grand public, grâce à vous, par exemple, eh bien, est en train de passer. C'est-à-dire qu'on est face à un vrai problème. Est-ce que vraiment, vous avez l'impression que les Français ont changé leur comportement, leur manière de vivre ? Peut-être pas encore assez. Je dis que ça commence à frémir. Par exemple, vous faites quoi, vous ? Alors nous faisons quoi ? Nous sommes en train d'installer un chauffage solaire, parce que ça, je crois qu'il faut avoir une vision un peu à moyen terme. C'est très bien de faire des petits efforts chaque jour, d'éteindre la lumière, tout ça, c'est indispensable, de fermer les robinets, mais c'est aussi... Ne plus se laver les dents. Quand vous investissez, je pense quand même que c'est bien d'avoir une vision énergétique, Laurent. Et cette vision, par exemple, oui, chez nous, nous installons des... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire chez soi si on est propriétaire de sa maison. C'est beau, l'isolation dans l'ancien. Les Français le font de plus en plus. C'est des choses qui passent, il y a beaucoup d'incitations. On peut penser aux pompes à chaleur, on peut penser bien sûr au chauffage solaire, aussi à l'électricité solaire. Non mais il y a une question qui me fascine, moi. Je me demande, c'est 1 degré à 2 degrés de plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen scientifique, je dis peut-être une énorme bêtise, de rafraîchir la Terre d'un degré sans avoir recours aux privations individuelles? Ah oui, si, il suffit d'éloigner du soleil. Oui, alors, oui. Non, mais il y a des idées comme ça qui circulent. D'abord, Pierre, c'est pas 1 ou 2 degrés dont on parle. C'est quand même pas 1 ou 2 degrés. Par exemple, en France, on craint disons, si on ne fait rien, mais ça, je ne pense pas qu'on ne fera rien, eh bien, on serait à un réchauffement de 4 à 5 degrés dans 50 ans, disons, dans 50-60 ans, c'est-à-dire. Donc, c'est pas 1 degré. Ensuite, les choses dont vous parlez, effectivement, il y a des scientifiques, je dirais, un peu fous qui y pensent, c'est-à-dire mettre des miroirs pour bloquer une partie du soleil, ne pas l'éloigner. Enfin, l'éloigner est un peu plus difficile. Disons, mettre des poussières dans l'atmosphère pour bloquer une partie du soleil. Tout ça, il y a des gens qui y pensent, mais c'est un peu jouer avec le feu. Au moins, c'est notre avis. Annie Lemoine. On est dans une période où on peut plus tricher, ça y est, prise de conscience. Vous savez, pendant quelques années, on a dit, oui, c'est comme ça, ça augmente. Maintenant, on sait que c'est nous qui faisons augmenter la température. C'est la part humaine. Donc, on compte sur nous aussi pour trouver une solution. Ça va trop vite. Je crois qu'on n'a pas le temps de s'adapter vraiment. Les espèces animales, on voit les pauvres ours qui sautent d'une plaque de glace à une autre, mais ils n'auront pas le temps de se muscler les cuisses. Ils vont disparaître, ils vont tomber dans l'eau. Elle a dû passer la nuit avec un ours qui avait de mauvaises cuisses, parce que là... Mais c'est vrai ce que je vous dis. Les espèces animales s'adaptaient au changement climatique. C'est un scientifique valide ce que je suis en train de dire. Avec les cuisses des ours. Donc c'est à nous de trouver une solution maintenant. Simplement, à qui faire confiance quand on voit que Bush s'en fout et contrefou ? Voilà, comment on fait ? Alors vous êtes là, vous êtes mignon, vous nous dites oui, ça va mal. À qui faire confiance ? Moi, je veux bien qu'on prenne plus de douches, tout ça. Non, je pense qu'il faut effectivement, c'est aussi à nous d'avoir un discours clair, et nous essayons. Je pense qu'il est quand même passé dans le monde politique. Par exemple, ce qu'il faudrait faire, c'est diviser nos émissions par deux à l'échelle de la planète d'ici 2050. Je voudrais bien diviser mes émissions par deux. Et voilà. En France, eh bien. La loi sur l'énergie stipule que l'objectif est de diviser par 4 en France d'ici 2050. Et donc cet objectif, il est inscrit dans la loi. Il est inscrit dans la loi ou dans l'idée que se fait de l'Europe. Ça sert à rien qu'on fasse les choses seules. Il faut que ce soit mondial. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Elsa Fayer. Oui, à notre petit niveau, on essaye de faire des petites choses, couper l'eau quand on se brosse les dents. Enfin, moi j'ai été, comme beaucoup de Français, évidemment très touchée par la canicule de l'été 2003, parce qu'on a beaucoup souffert. Et quand on souffre, malheureusement, on prend conscience que la Terre est en danger. Mais maintenant, on nous dit qu'en 2007, l'année 2007 sera l'année peut-être la plus chaude jamais enregistrée, notamment à cause d'El Niño. Les experts nous disent que la canicule de 2003 va se reproduire tous les 2 ans en France d'ici 50 ans. Et en même temps, je lis que la climatisation est le pire ennemi de la planète. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Parce que s'il n'y a pas de climatisation, les gens meurent de chaud. Alors on fait quoi ? Est-ce qu'on va trouver un nouveau système ? Déjà, la meilleure chose à faire, c'est effectivement d'atteindre cet objectif de diviser par deux nos émissions. Et ce qui si on divise par 4 nos émissions, on va mourir de froid, non ? Non, certainement pas. Ce qu'on pourrait vivre nu avec des pannes. On aura même un climat plus chaud qu'actuellement. L'objectif européen est, par exemple, que le climat ne dépasse jamais 2 degrés par rapport à ce que nous avons connu il y a une centaine d'années. Donc, disons, un réchauffement supplémentaire d'un degré, un degré et demi. Donc ça, non, le réchauffement est en marche et il va continuer. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à le limiter. C'est une première chose. Ensuite, effectivement, il faut aussi s'adapter au réchauffement climatique. Ça fait aussi partie, d'ailleurs, des objectifs au niveau français, l'adaptation, parce qu'on va vers un réchauffement climatique. Et pour finir, un petit
geste simple, ça c'est mon petit geste écolo, refusez les sacs plastiques quand vous êtes au supermarché et optez pour ce petit tricot, ce petit sac tricot qui est absolument incroyable. C'est une charlotte que vous aviez amené. Ne travaillons pas, moi. C'est un maillot, une pièce. Non, mais ça a l'air de rien. Moi, quand on me l'a proposé, j'ai dit, mais je mettrai jamais mes courses à l'intérieur. Et honnêtement, on met une quantité de produits absolument incroyable. Moi, j'avais ça quand j'étais enfant. Et on le réutilise à volonté. C'est très résistant. Bon, on a un peu l'air d'une cloche parce qu'on voit tout ce qu'on achète. Pour ramener le petit poids en vrac, c'est pas pratique. Bon, évidemment. Mais pour les concerts, ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas. Comme invention, elle a réinventé le panier. Virginie. Il semble qu'une des conséquences du réchauffement climatique soit aussi les diverses maladies qui vont s'intensifier, comme le choléra, etc. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des maladies qui sont déjà beaucoup plus présentes qu'avant à cause de ce réchauffement ? Oui, il y a certains virus en particulier qui sont remontés vers l'Europe. Disons tous les virus qui sont portés par des moustiques, ces moustiques tendant à vivre dans des climats plus chauds. La chikungunya, ça vient du réchauffement de la planète. Ça, c'est pas forcément lié, c'est déjà des climats assez chauds. Mais effectivement, vous voyez bien que la chikungunya disparaît l'hiver parce que les moustiques ne sont plus là. Donc on imagine que si le climat se réchauffe, la saison pendant laquelle ils sont actifs sera plus longue. Et donc effectivement, ça peut aussi. Mais on pense au paludisme qui pourrait remonter vers le sud de l'Europe à un certain point et tout cela. Donc. Maman. Les responsables, les premiers responsables du réchauffement de la planète, c'est les automobiles. Et moins il y en a, donc mieux c'est pour la couche d'ozone. Et moi, j'ai vu quelques chiffres ce matin dans la presse. On peut dire que Citroën et Renault sont très écolos puisqu'ils ont vendu moins de voitures que leurs concurrents l'année dernière. Oui, Quelque chose que j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que quand on vous demande quelles seraient les manifestations d'un changement de climat sur notre environnement, vous dites en Europe, nous verrions les conséquences sur nos glaciers qui se mettraient à fondre, le régime des précipitations serait plus intense dans le nord, avec des risques d'inondations dans le nord, et là je ne comprends pas, le pourtour méditerranéen qui s'assécherait. Pourquoi ça s'assécherait? Oui, parce que le climat est tel que les zones, disons, les zones, il y aura moins de précipitations pendant l'été, on pense à 20-30% de moins dans tout le pourtour méditerranéen, y compris le sud de la France, et surtout, eh bien, si vous augmentez la température de 3-4 degrés, il y a plus d'évaporation et l'eau n'a pas le bon goût de retomber où elle s'évapore. Donc, effectivement, ces régions auront tendance à s'assécher progressivement. Et ça, c'est une des conséquences vraiment très visibles du réchauffement climatique en France. J'ai vu un fait d'actualité qui a attiré mon attention ce week-end. Vous savez, c'est un bateau qu'on a pris en flagrant délit de dégazage dans l'eau, qui risque d'être condamné en tout cas pour ça. Et j'ai trouvé une pub, c'est une publicité de Greenpeace qui nous fait remarquer, qui nous fait prendre conscience, même si on le sait déjà, qu'effectivement, on pollue beaucoup les eaux aussi avec des carburants. Ouais. Voyez ce pauvre monsieur, il est en panne d'essence au milieu de nulle part. Alors il sort son jerrycan, il n'y a pas de station à droite, il n'y a pas de station à gauche. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, il y en a tellement dans l'eau que ça repart tout seul. C'est génial, ce serait formidable si on pouvait faire ça. Merci, monsieur Jouvel. Mercredi prochain à 20h50 sur notre chaîne France 2, vous pourrez voir les deux derniers épisodes de la première saison d'Équipe médicale d'urgence, une série que vous avez été nombreux à suivre et qui nous plonge dans le quotidien des médecins, infirmiers et ambulanciers du SAMU. Au programme de ces nouveaux épisodes, suicide, accident, crise cardiaque, bref, rien que du malheur, mais accueillons quand même l'un des médecins du bonheur de cette équipe médicale d'urgence. C'est un peu notre Georges Clooney à nous. Il s'appelle Gaspard dans la série, mais en vrai, c'est Christian Vadim. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonjour. Un des héros, parce qu'on peut dire que ce sont des héros, les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, les ambulanciers, un des héros de cette équipe médicale d'urgence. Je dis bien un des, parce que vous êtes nombreux, c'est toute une troupe, hein, en fait, de comédiens. C'est ça qui est agréable, c'est que ça ressemble un petit peu comme à une troupe de théâtre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de comédiens de théâtre qui sont dans ces épisodes-là, et c'est assez agréable. Il n'y a pas un chapeau principal, c'est vraiment un esprit de troupe. Il y a déjà eu 4 épisodes diffusés sur France 2 avec succès, les 2 derniers de la première série, parce que je crois qu'il y en aura encore 6 autres. Vous avez déjà tourné les 6 autres? Non, les 10 rentrent en préparation et on va les tourner là cette année. Là, bon, donc ça veut dire que ce n'est pas fini, ça ne se terminera pas là mercredi, il y aura encore d'autres épisodes ensuite. Eh bien, il faudra qu'ils attendent. Il faudra attendre. Il faudra les tourner. En attendant, quelques extraits.
comment je fais pour attraper le coup, moi, maintenant? C'est ton problème. Ce type n'avait rien de grave. Où est-ce qu'on a commis une faute, bordel? Il y a ambiance aujourd'hui, les filles. Je vous interdis d'accoucher maintenant. C'est quoi qui te choque? On se partage les mêmes mecs? Ne quittez pas, on vous passe un médecin. Un ambulancier de SAMU, c'est pas un pilote de rallye. Vous savez, des gens qui veulent mourir et qui après mordent la vie à plein dents, j'en vois tous les jours. Si tu veux un mec rien qu'à toi, évite de taper dans les hommes mariés. Bon, moi, j'ai rien dit à la police pour pas être emmerdé. Ah bah, ils sont pas des choses au SAMU. Avec les derniers inédits d'équipe médicale d'urgence, vous ne regarderez plus les ambulances de la même façon. Mercredi soir sur France 2. Le service d'aide médicale d'urgence, le fameux SAMU, voilà, héros du SAMU. Est-ce qu'il a fallu que vous étudiiez un peu comment ça s'est passé? Toutes les scènes où on devait faire des interventions avec des appareils, des choses comme ça, on était suivis par une équipe du 92, du SAMU, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez être un bon, non pas médecin, mais un bon secouriste? Je peux te faire un petit massage cardiaque. Si c'est pas un vrai. Bon... Ouais. Non, alors c'est pas. Alors déjà, c'est pas ça. C'est un peu plus violent. Mais oui, il nous a vraiment appris des bases. Genre, après ça, je suis pas Adriana Carambeu, mais deux, trois trucs que j'ai retenus, ouais. Elsa. Alors, j'ai trouvé la série très bonne, mais alors pour moi, ce genre de série, c'est une torture. J'ai horreur du malheur. J'ai jamais regardé, je crois que je suis une des seules en France à ne jamais avoir regardé un seul épisode d'urgence. Pour vous aussi, bah vous voyez, j'ai peut-être joué dans votre série. Mais honnêtement, et puis alors, j'ai appris des choses quand même assez incroyables. Attends, comme ça, au passage, je vais peut-être jouer dans votre série. On sait jamais. Non, il y a quelque chose que j'ai appris. Alors, on avait beaucoup entendu parler des problèmes gynécologiques auxquels étaient confrontés certains urgentistes, notamment des personnes. Il y a un cas très concret dans votre série d'un chef d'entreprise qui a introduit. Mais alors, j'étais morte de rire. Il n'y a pas que les urgentistes qui ont des problèmes gynécologiques. Hein. Hein, ça, Sarkozy en a aussi avec le gynéco. Qui a introduit un œuf malencontreusement à sa partenaire sexuelle. Bah oui, parce qu'il avait l'intention de le récupérer, il n'a pas pu. Et alors, quand on doit se présenter aux urgences, il faut dire, et attention, intrusion d'un corps étranger, ça c'est le passe-code pour être soigné efficacement et sans avoir les boules quand on se présente. C'est pas facile pour la personne qui doit se présenter, ça doit pas être facile. Mais nous, vous nous demandiez si il y avait cette équipe du 92 qui était tout le temps avec nous, les histoires qu'ils nous racontent, mais c'est hallucinant. Mais c'est tous des véritables histoires. Sans parler forcément d'intrusion sexuelle ou de corps étranger, comme vous dites, il y a des trucs, mais hallucinants. Mais c'est ça qu'elle a retenu de la série. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Non, mais à la limite, dans le malheur, je préfère ce genre de petits malheurs. Prenez la boîte de ciseaux la prochaine fois. Ça ne me concerne pas. Non, cela dit, je comprends. C'est vrai que c'est ce qui m'avait plu dans l'écriture, c'est que c'est réaliste. Et c'est pas que du trash facile avec de l'hémoglobine et choses comme ça. Donc du coup, c'est dur. Et c'est vrai que cette dureté, c'est peut-être une chose qu'il faudra gommer. Encore pour mettre un peu plus de bonheur, un peu plus de légèreté. Mais je pense qu'on a un bon team d'écrivains, donc que ça devrait se faire. Mais il y a quand même des scènes relativement gore. Une personne qui tombe d'une échelle ça dépend et quelle qui échelle, hein, se scie tous tout les doigts. Et donc la femme a précautionneusement a récupéré tout le... Oh merde. C'est la Ségolite qu'elle a chopée. Prendre des précautions avec un œuf là où je pense, c'est dur. Hein. C'est la même ou pas? Elle a fait bien attention, je reprends, à récupérer tous les doigts et malheureusement, il y a le chien qui va en manger un. Et là, c'est vraiment le truc qu'on prévoit pas. Ouais, ça arrive. La plupart des histoires existent, hein. C'est des choses qui sont allées chercher dans les annales du SAMU. Mais donc, si on peut dire. Alors, pardon. Annie Lemoine. Moi, je voudrais vous parler de vous parce que je trouve que vous avez changé. Vous avez pris une maturité, une densité. Enfin, il y a quelque chose qui est beaucoup plus présent en vous, je trouve. Merci, c'est gentil. Elle est partie, elle redrague. Non, mais alors j'ai lu les déclarations. Vous avez eu quelques interviews à l'occasion de la sortie de ce feuilleton. Et vous dites quelque chose qui est pas facile à dire. Vous dites, voilà, depuis que Vadim, parce que vous parlez de votre père en disant Vadim, depuis que Vadim est mort, j'ai une pression moins forte. C'est surtout que vous vous rendez compte que c'est vous qui devenez le père. D'ailleurs, j'en parlais hier avec un ami qui me disait une très jolie chose. Il disait, maintenant, c'est moi qui vais devoir tâter l'eau chaude pour mes enfants.
Et c'est une passation comme ça qui se fait sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et puis bon, il y a d'autres choses aussi. Il y a le fait de la maturité, l'âge. Et à un moment donné, vous êtes en adéquation entre votre jeu, vos capacités, ce qu'on vous propose, et puis votre expérience. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui culmine et qui est plus facile. On vous propose, moi, les jeunes séducteurs, jeunes cons, au niveau des textes, déjà, au théâtre, je suis beaucoup plus heureux. Et on propose plus de choses, plus intéressantes. Donc c'est vrai que... D'ailleurs, parlons-en, il y a du théâtre. Facile. Là, vous êtes en tournée avec le jeu de la vérité. Vous serez à Union le 12 janvier, le 1er février à Monaco et le 20 février à Cannes avec la même troupe qu'à Paris? Non, là, Vanessa Demouy qui travaille sur Central Nuit s'est fait remplacer pour les trois derniers mois. En tout cas, vous y êtes. Ah ben, les garçons y sont. Le jeu de la vérité, courez-y, ça a été un succès ici à Paris. Pierre Bénichoux. Oui, s'il y en a un qui peut dire que vous avez changé, c'est bien moi, puisque la première fois que je l'ai vu, il devait avoir 2 mois, je crois. Bon. Donc, vous avez vieilli énormément. On l'appelait Rose Beef. C'était le Rose Beef à notre frigidaire. Ce que je voudrais vous demander, moi, c'est, vous êtes le fruit de ces amours entre Catherine Deneuve, votre mère, et Vadim, votre père. Et que ce que je trouve bien avec vous, c'est que vous avez ce côté un peu slave, un peu comme ça, un peu amoral de Vadim. Et qu'en plus de ça, vous avez le côté quand même bon chic, bon genre de Catherine Deneuve. Alors c'est un truc qui est un mélange qui pourrait être détonnant et qui est absolument charmant. Mais comment vous vous mettez, comment vous situez entre ces deux facettes de votre personnalité? Eh bien, je me rends compte qu'avec le temps, j'ai une très bonne éducation grâce à ma mère et qu'il y a ce grain de folie qui est toujours en moi et qui a un grain, parce que c'est ça le souci, c'est le danger, hein, c'est d'aller trop loin dans la folie. Mais un peu de folie fait qu'avec des garde-fous, ça fait un ensemble qui tient la route. Voilà, on va dire ça. Virginie Clozade. Alors, c'est votre père qui vous a fait jouer votre premier film. Oui. Et par contre, votre maman n'était pas du tout pour. Elle ne vous a absolument pas soutenu. Non, mais c'est même le contraire. Moi, j'étais en fac de droit à Tolbiac à l'époque. Il est arrivé, il m'a dit, viens prendre un peu de pognon pour faire l'assistant derrière la caméra et faire passer des textes aux acteurs. Puis il a dit, oh, tu parles pas trop mal, c'est un peu juste, et vas-y, fais l'acteur. Donc je me suis retrouvé là-dedans. J'ai fait, bah oui, d'accord, à 18 ans, vous savez, on réfléchit pas beaucoup. Et ma mère était très, très fâchée, parce que pour elle, c'était un peu un canon empoisonné. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'a éduqué, elle m'a protégé de ce monde, en ne me mettant pas en avant, en exergue comme ça, par rapport aux photographes, aux journalistes, enfin tout ça. Et tout d'un coup, il y a Pépère qui arrive, il dit, allez, viens, mon fils, on va faire un film. Donc il a réduit en un jour 18 ans d'éducation, donc elle avait effectivement, pour parler un peu crûment, un peu les boules. Mais il a bien fait, finalement, parce que. Ben, il a bien fait, c'est pour ça que je dis à ma mère maintenant, je dis, tu vois, enfin bon, c'est grâce au théâtre, hein, mais 10 ans plus tard, enfin un peu moins, j'ai découvert le théâtre et c'est vrai que ça m'a épanoui et aujourd'hui, je le remercie, vraiment. Maman. En tout cas, côté cinéma, il y a un grand rôle qui vous attend parce que depuis tout à l'heure, je vous observe, la boule à zéro, vous êtes le portrait craché de Zizou. Hein. Et l'autre, c'est Guy Forget aussi. Hein, je signe beaucoup d'autographes à la place de Guy, ouais. Oui. C'est un plaisir, ça. Moi, c'est fait plutôt marrer, c'est juste un bon enfant, quoi. Et donc, Guy Forget. Mais je vous en prie, Lise. Jérémy Michalak. Alors, comme votre personnage a peur de faire des enfants, alors qu'il vit au quotidien des accouchements qui sont tout sauf conventionnels, j'ai trouvé une petite publicité. C'est une publicité pour les appareils photo. C'est un accouchement d'une femme japonaise. Et vous allez voir que très, très jeune, les Japonaises sont passionnées par les appareils photo. Ce n'est pas qu'un mythe, c'est aussi la réalité. Regardez. Christian Vadim et Gaspard Perrac dans cette série que vous verrez mercredi soir sur France 2, équipe médicale d'urgence. Vous avez déclaré, je n'ai pas eu le temps de suivre la formation avec les autres car j'étais au théâtre, sur les planches, en tournée ou à Paris. Alors moi, j'ai appris sur le tas. J'espère que c'est le cas des comédiens, mais pas des urgentistes, les vrais. Vous inquiétez pas, parce que c'est vraiment des gens extraordinaires. C'est parce que j'étais choisi sur le projet très tardivement. Ah. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseiller pour tourner? Parce que c'est vrai que souvent, hein, vous avez dit, bon, pour la télévision, je regarde quand même très bien les scénars parce que j'ai pas envie de jouer dans des trucs un peu bateaux comme la télévision en fait, encore que ça a beaucoup changé. C'est vrai que les téléfilms sont, de plus en plus à la mode, ils marchent de mieux en mieux, mais ils sont souvent aussi de mieux en mieux écrits. Il y a quelqu'un qui vous conseille? Vous avez un agent? Comment ça se passe? Oh non. Non, oh non, non, alors ça, c'est vraiment... C'est... Je vous en ai trouvé un. J'ai... Ah oui? Oh, je vous en ai trouvé un, voici Frédéric Martin. Hi.
conseiller en images pour série télé, c'est bien ça? Everybody here, je suis John Mufloufloof. Je suis un conseiller en images. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous, toi, Christian. Oula. C'est pour te féliciter, les gens adorent les séries télé. Entre les experts, les flics qui mettent en garde à vue des poils pubiens. Si! Et ils arrêtent les méchants avec le coton-tige. Pose ton pistolet immédiatement. D'accord, mais lâchez ce coton-tige. Prison Break! Le type, il se fait tatouer les plans de la prison sur le dos. Hey, moi si demain je vais en tôle sur le dos, je me fais tatouer. Non, je n'irai pas chercher la savonnette, passez votre chemin, merci. Sans compter les séries avec le nom imprononçable, comme Desperate Housewives. Si, ou V.B. Portail d'Asparou. Quoi? V.B. Portail d'Asparou. Non! Toi, ta série, Christian, c'est sur le SAMU. Le SAMU, c'est des gens qui passent leur vie à sauver les victimes de SAMU la série. Christian, je t'explique. Je m'occupe de tous les fils de les people. Sauf de toi. Shame on you. On m'occupait des frères Bogdanov. Yeah! Tu verrais leur gueule après 15 ans avoir joué à Je te tiens, tu me tiens, par la barbiquette. Non, attendez, c'est sérieux, il s'occupe aussi de Paris Hilton. Paris Hilton, je m'occupe aussi! Beaucoup de travail, Paris Hilton, hein? Ah, c'est moi qui lui ai conseillé de tout miser sur le physique. Allez, sois très con! Et Olga? Non, c'est vous, la chaîne de Drucker? Ah, oh, si, je m'occupe aussi! Personne s'étonne qu'elle co-présente l'émission avec lui. Mais c'est parce que c'est sa fille! Ne rigolez pas. Des fils d'œil, il y en a partout, partout, partout. Même sur ce plateau. Maman! C'est le fils de Batman. Et de Robin aussi. George W. Bush, je m'occupe aussi. Si je l'ai fait élire deux fois, toi, Christian, je peux te faire devenir Miss France, tu sais. Donc c'est OK, Christian, je m'occupe de toi. Je te prends en stage dès la semaine prochaine. Avec toi, il y aura les enfants de Michael Jackson. Eux, je leur apprends à courir très vite, comme ça. Revenez là, Frédéric Martin. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que... je sais que c'est agaçant pour les invités, et particulièrement pour ceux dont on dit toujours c'est les fils de Christian Vadim, fils de Catherine Deneuve et Roger Vadim. Est-ce que vous savez le fils de qui c'est, lui? Non, mais je vais m'en délecter. Fils de Jacques Martin et Daniel Evenou. Voilà. Frédéric Martin. Ah. Alors... vous croyez pas que j'allais vous laisser partir mais comme ça? Voilà, c'est j'ai fait. Voilà, je pas en cours. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Il est parfait pour le kick-a-vu quoi. Première photo, attention, c'est pas très facile ce soir. Ah, 500 points pour me dire qui est ce monsieur. C'est l'archevêque qui a démissionné. C'est l'archevêque de Pologne qui a démissionné. De Varsovie. De Varsovie, excellente réponse. 500 points pour Elsa Taillère. Photo suivante. Ah, ah, plus compliqué, ça vaut bien aller. 5000 points. Est-ce qu'il est chinois? Pas du tout. D'accord. Il est colombien? Oui. Il a échappé au FARC en marchant 5 jours sans non. boire ni manger? Non. Excellente réponse, Dany Lemoine. Alors là, bravo. On avait pris la photo de ce monsieur à l'époque, Fernando Arroyo, à l'époque où il était encore ministre, ou en tout cas, il était secrétaire d'État, je crois, à l'environnement, pour être très précis. Il a été effectivement enlevé par les forces d'armée révolutionnaires colombiennes. Ainsi aussi, vous savez évidemment que Ingrid Betancourt, il a pu s'évader dans des conditions très difficiles parce que le gouvernement colombien a décidé de passer en force pour essayer de lutter contre ces forces armées révolutionnaires. J'ai dit combien? 5000 points? Ouais, je crois, oui. 5000 points pour Ami Le Moine. Merci, merci. Photo suivante. Alors là, c'est plus triste. C'est la skieuse qui risque de ne plus jamais marcher. Sandra Laoura. Sandra Laoura, bravo, il a le nom, Maman. 100 points pour Maman. La freestyleuse qui, hélas, a été opérée hier. Elle risque la paralysie à vie. On lui souhaite un fort et un prompt rétablissement. On espère qu'elle retrouvera l'usage de ses jambes. Effectivement, à l'entraînement, elle a chuté alors qu'elle skie sur des bosses. Hein. C'est bien ça. C'est ce qu'on appelle une bosseuse. Excellente réponse de Maman. 100 points. Bon, alors là, Christian Vadim, il faut vous réveiller pour la dernière photo, peut-être. Ah, parce que je dois répondre? Ah, bah oui, bien sûr.
Absolument pas. C'est combien de points? Il était trop jeune, il était trop jeune. C'est combien de points? Allez, c'est 500 points. C'est Désir Galard. Qui présentait une dame d'homme qui a été mourir et qui était une grande journaliste et productrice de télévision. Et qui présentait Dim Dam Dom. Dim Dam Dom, 500 points pour Pierre Bénichou. Hommage à Désir Galard, productrice de Dim Dam Dom, et elle a été aussi rédactrice en chef du magazine Elle pendant quelques années, années 60, années 70. Bravo Pierre. Christian, Désir Galard. Oui, mais en même temps, je ne fais pas la revue de presse tous les matins, moi. C'est pas vrai. Mon boulot. L'essentiel, c'est que vous sauviez Désir mercredi soir sur France 2 dans l'équipe médicale d'urgence. Merci, Christian. Merci à vous. À demain. Au revoir.